Salut à tous, c'est Major Willem. On se retrouve pour la vidéo découverte numéro 3 sur Far Cry 3. Voilà. Donc, on était à une mission, donc on devait retrouver notre amie Lisa. Et donc, on a pris un avant-poste ennemi et en pensant la retrouver. Et finalement, elle n'est pas là. Voilà. Donc on nous a donné une position, apparemment on a entendu des gens parler sur une radio et on a entendu voilà, la position où elle pourrait se trouver vers l'ouest, c'est bien ça. Donc on va essayer de s'y rendre, tout simplement. Donc maintenir pour prendre la carte mémoire. Donc, je sais pas ce que... Peut-être pour sauvegarder, je sais pas. Objet à collectionner. Carte mémoire. Objet à collectionner. Rock Island est pleine de secrets. Des cartes mémoire de trafiquants. Des lettres perdues pendant la Deuxième Guerre mondiale. Des reliques cachées du peuple Rikiat. Fouillez partout, vous serez récompensé. Ok. Bon, c'est bien. Ça rajoute un peu de fun, de l'aventure. Voilà, c'est. J'aime bien moi ça. Exploration. Ok, donc là, on a un shop, un distributeur, une espèce de distributeur. Et on va voir ce qu'on peut trouver. Donc là, j'ai 839 sur 1000. Je pense qu'on va dépenser un peu d'argent. Voilà, histoire de pas être full et de pouvoir récolter un maximum de thunes. Fusil à pompe, fusil d'assaut, fusil de sniper. Alors ça me plairait. Ouais, il faut, par contre non, il faut absolument que je débloque le port d'armes, voilà, alternatif, hein, parce que là pour l'instant je peux rien faire. Confection, il faut absolument, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans un premier temps se fabriquer un nouveau holster. Voilà, il me faut trouver une chèvre. Ok, je pense que c'est l'objectif principal pour le moment, hein, c'est de se faire d'accéder à plusieurs catégories là, hein, parce que là j'en ai qu'un et je peux transporter qu'une arme, c'est pas exceptionnel. Donc on va essayer de se trouver une chèvre. On va d'abord bien sûr fouiller nos amis qui sont en train enfin qui sont cramés, hein, on dirait qu'ils sont en train de dormir. Hein. On se demande si ils sont pas un peu. Bon, enfin voilà quoi. Clé de quelqu'un. J'ai trouvé une clé. Là j'entends un espèce de cochon. Je vais me partir bien sûr. Toi. Hop là, ici toi. Oh dégueu. Il y a des poules aussi, je sais pas à quoi ça sert. On va essayer de s'en faire une. Pour voir. Ici. Oh là là là. Ici. Ici. Ouais, est-ce que je peux la dépecer la poule? Ah, peut-être pas. Peut-être que je peux pas. On va se baisser. Et on peut pas. Je rêve. On peut pas, apparemment, on peut pas. Ok, donc là, je pense que ça va être les chiottes. On entend les mouches d'ici. Je sais pas si vous entendez. Ça... Je voudrais pas vérifier la propreté. Hein. Ok. Bon, il devait y avoir des trucs un peu à piquer. Ok, donc. Allez, on va se barrer. De là, c'est bon. Oui, attends, je sais pas. C'est bon, il n'y a rien à piller. Non plus. Ah, regardez, on voit. Ce qui est génial dans ce jeu, c'est que. On peut pas vraiment. Enfin, à part suivre la trame principale, on peut pas se. Vraiment se donner des objectifs, on va qu'à voilà à ses occupations, d'une chose on va à une autre. Moi c'est ce que j'aime dans ce genre de jeu, à monde ouvert, c'est qu'on peut vraiment passer d'une chose à l'autre comme ça, au feeling de, au... Voilà, donc là on peut voir wanted et reward, donc on va tester parce que je sais pas du tout ce que c'est.
Enfin, on va regarder du moins. Je pense que c'est pour des quêtes. Rechercher mort un pirate braconne des animaux près d'une source chaude. Tuez-le au couteau selon la tradition rakiat. Ok. Donc, ça doit me rajouter une mission. Hein. Ah, mais du coup, l'autre a disparu. Bon, ça doit être une mission, un événement dynamique. On va tracer. On va regarder sur la carte quand même. Ouais, c'est juste à côté. Au couteau, faut que je le bute au couteau. Regardez la végétation, ce sont des bambous, je crois. Ouais, c'est des bambous. Forêt de bambous, magnifique. L'ombre et tout. Ah ouais, d'accord, il faut que je le bute au couteau. Mais ils sont plusieurs. Atteignez l'emplacement désigné. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir notre appareil. Voilà, et là on peut voir donc des têtes de mort s'afficher sur les gardes. Voilà. Et c'est tout. Ils sont que deux. On peut zoomer. Ouais, regardez le zoom. Excellent. Donc ah non, il y en a un autre qui est assis ici. Regardez. Caché derrière les herbes. Donc on peut voir qu'il y a trois gardes et lui, je pense que ça va être notre cible. Ouais. Voilà, c'est pas mal l'effet de zoom, de flou. Hein. Ça rajoute vraiment de la réalité. Ok, on va sortir de ça. Et on va équiper l'appareil photo, identifier, suivre leur position. Ok. Objectif en cours, marqueur. Les gens qui s'en fout, centré, retour, marqueur. Donc je sais pas si c'est que lui que je dois tuer au couteau ou si tous. Ok, bien sûr, ça va être difficile. Ah, moi est-ce que je les attire un par un? Ouais, on va essayer. Oh oh. Oh oh, je suis passé très intelligent. Donc là ils sont tous alertés apparemment. On va essayer de les transporter plus par ici. Ah, ça a ricoché. Je suis sûr d'avoir entendu un bruit. Et ici toi. Hé, qui est là? De se rapprocher au maxi. On va le. Putain, ça brûle, bien entendu. Ouf. Ouf. Ouais, non, apparemment ça l'a pas attiré quoi. Sors de ton trou, allez, s'il te plaît. Allez. Le responsable de ce bordel. Bon, regardez bien partout. Je vais lui sauter dessus, je crois. Puis... il faut qu'il se retourne. Ouais, c'est bon, il s'est retourné. Vois rien. Ces putains de rebelles nous font tourner en bourrique. Ouais, pas mal. Donc, je vais faire pareil. Je vais l'attirer. Ici. Ouais, non, c'est un peu loin, mais bon. Ici. Pas fouillé. Allez, viens ici. Putain, Marc, il est la chaude piste. Ah! Trouvez-moi, qui a foutu le bordel? Merde, c'est qui ça? Ouais, ouais, pas mal. Gueulez un coup s'il y a un truc étrange. Mon Dieu! Fais jeter un œil! Oh ouais, les gars! Allez, ciao les gars! Fabriquer un portefeuille plus grand pour transporter plus d'argent. Voilà, ok. Donc apparemment, ça y est, je peux transporter. Ah non, non, je l'ai dit.
Ah ouais, voilà, je peux plus, portefeuille plein. Et non, j'ai toujours pas trouvé de chèvre. Ah, il faut que je trouve une chèvre de saule. Les gars, je peux plus les fouiller, quoi. Bah si, je peux les fouiller. Pilule d'éphédrine, donc une drogue. Feuille bleue. J'espère qu'il n'y a pas de... Ok. Ok. Et là, on peut voir au fond une caisse, deux caisses. Ah ouais, je peux pas prendre l'argent. Ah, l'arnaque. Ok. Alors, on va courir. On va de trouver une chèvre. Absolument. Depuis tout à l'heure, je dis j'ai trouvé une chèvre. Il faudrait que j'aille peut-être au village. Je pense que c'est la chèvre, c'est certainement au village. Donc le village, il est par là. Il n'y a pas un véhicule qui traîne. Regardez les fougères, ces espèces de palmiers fougères, je sais pas si ça se dit ça. Les fougères, comment on dirait un tronc de palmier. Un pont. Ah non, ça c'est des loups. Je pense que c'est de bonne augure le loup. Ah, un petit véhicule, non? Ouais, un petit véhicule ici. Ok, donc là, ça sera beaucoup plus simple de trouver notre ami la chèvre. On va se faire un plaisir de dépecer. Donc le village. On va se regarder juste la carte. Ok, allez. Voilà, le loup. Tiens, papa. Tiens, t'as ramassé. J'espère que la meute va pas me sauter dessus. Peau de chien, ah, c'est des chiens, ah, c'est des chiens sauvages. Et oula, des chiens sauvages. Plante verte. Ah. Un quad. Allez. Si on se prenait le quad, hein. On va tester un peu tous les véhicules, hein, si possible. Je garde quand même en tête une chèvre. Je vais faire un petit regarder. Hein. Quoi des traces, hein. Ah, là on a de la feuille jaune. Forêt de bambou. L'effet de vitesse est sympa. Oh 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 oh, un barrage ennemi. Yes, c'est bon. Traçons. Allez, démarre. C'est plus chaud. Oh là là, des porcs. Bien sûr. Ah non, d'accord.
droite, excellent. Et la nuit qui tombe, hein, apparemment. Oh là là, le temps qui change. Génial. Et je pense qu'ils sont toujours à mes trousses. Oh, c'est pas sûr. J'ai pas rêvé. Ah non, c'est l'orage là. Oh là là, excellent. Toujours aussi fluide, même pendant l'orage. Oh oh. Bon, je vais retrouver mon village. Petit. Ah, village du début. Je rêve pas, c'est celui-là. Ou celui-là peut-être. Maison de. Non, c'est là. Amalaki. C'est ici. Ça c'est par contre pour saisir mon village en sommet. Ah bon, par contre, je sais pas comment ça se passe. Il se casse. Là je peux pas dégainer. Ça va, pour. Non mais je rêve. Quand j'arrive dans le village, il range son arme automatiquement, je peux pas ressortir mon arme. Ah non. J'ai pas rêvé. Non, c'est quoi ce truc? Ça c'est par contre, c'est chelou ça. Ouais, donc ici en fait, si je peux pas sortir mon arme, je vais pas pouvoir buter un singe. Un chien. On va ressortir de là. Allez, c'est parti. C'est dans la rivière. Oh là là. Regardez ce temps de fou, quoi. Magnifique. C'est là. Ah, ils sont rentrés. On va se faire buter. Qu'est-ce qu'il faut? Ok. Tout a l'air normal. Bon, ça c'est quand même un peu chelou. On va prendre leur caisse. Ça sera repérable. Bon, là c'est clair que c'est pas possible. Chien. Là on est full aussi. Holster, toujours pas. Je peux pas. Portefeuille. Ah ouais, je peux. Donc j'ai un pot de cochon. Créer un portefeuille. Donc là, je pourrais transporter maintenant 2000 $. Voilà.
Ça, c'est déjà quand même pas mal. Ok. Sacoche à projectile. Peau de chèvre, toujours. Décidément. Sac à butin. Sac à butin. Peau de tapir, il m'en faut deux. Kit de seringue. Et voilà, peau de cochon. Il m'en faudrait une autre peau de cochon. Ah là, wanted, d'accord, donc ça c'est une mission. Ah, j'entends un cochon. Ouais, là-bas, là-bas. Oh, c'est bon, on va pouvoir se faire. Ok. Allez. On va le dépecer, si ça veut bien. Allez. Aidez. Voilà. Dégueu. Une espèce de moteur, je pense que ça doit être soit une voiture ennemie, soit une de notre camp. Les poules apparemment ben, ça sert à rien, hein. J'ai pas réussi à les tuer, enfin à les dépecer. Ok, on va se confectionner. Le kit de seringue, ok, voilà, je pourrais transporter plus de seringues. Ah mais ça j'ai déjà. Peau de chien, ah d'accord, il me faut de peau de chien. D'accord. Oh, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, ah il y a une patrouille, là-bas. On va les rusher, hein, direct. Ouais les gars. Ouais c'est ça, c'est ça. Prendre la seringue de combat d'ailleurs. Je vais te manger tout cru. Oh putain. Ok. Oh ouais. Je te vois. J'arrive. T'es mort, j'y crois. Viens là toi. T'es mort. Ouf. Ok. Ah c'est non, ouais, d'accord. Okay. Ok, je suis fou au niveau de mission. Par contre, au niveau santé, je suis fatigué. C'est une petite injection, ok. Interagir. C'est pas ce que je voulais faire. On continue de les fouiller. On peut récupérer des items sur eux aussi. Parce que vu que je viens de récupérer des seringues, batterie,
Donc batterie c'est pour servant. Et le jour se lève. C'est magnifique. Faudra qu'on se fasse un magnifique lever de soleil sur la plage. Ouais, qu'est-ce que... Ouais, il y a une chèvre. Je rêve pas. J'ai pas rêvé. Elle est où la chèvre? Ici, toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, je vais pas me... Je vais pas te lâcher, toi. T'es où? Elle est où? Alors... Est-ce que les animaux sauvages... Là-bas. Cochon. Ok. Ok. Ça, c'est les corps. Herbivore, prédateur. Ah, d'accord. Voilà, mais attendez, il y a quoi, là? J'entends comme un serpent. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, un varan. Ok, ça il faut que je fasse gaffe parce que c'est vraiment énorme. Putain, ouais. Ça c'est vraiment vraiment mauvais. Voilà, un dragon de Komodo. Par contre, c'est pas mal. Peau de dragon de Komodo. On regardera tout à l'heure à quoi ça correspond au niveau de l'upgrade. Bon, je ne me dis pas que j'ai perdu. Oh là, il doit y avoir un autre dragon Komodo. Faire gaffe. J'espère que je vais pas me faire attaquer également. Ah non, c'est un bateau, d'accord. Ok. Ici. Ah, c'était ça. Oh, 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 oh. C'est... Il est pas mal, il est bien fait le dragon de Komodo. Vraiment. Les couleurs un peu vertes et tout, là, style... Oh, non. Et là on peut voir de différentes couleurs. C'est vraiment bien. La texture a été vraiment travaillée. Ok, apparemment, il y a un autre... Ah ouais, il m'a fui de là-bas, lui. Oh, bon, ben je trace. De toute façon, je trouve la chèvre qui est pas loin, là. Oh, mon ami, où es-tu? Désolé, mais je vais avoir besoin de toi. Ah, t'es là, ça a pris. Ouais, je suis obligé de la shooter. Allez, tu as crevé. Ouais, c'est bon, j'avais buté. Par contre, là, ils vont me squatter, là, les gars. Ok, peau de chèvre. Allez, allez, allez. Ah, là, là. Aïe aïe aïe, bon, je pense que... Let's go. Ok. On va charger. On va faire le tour. Ouais, ça c'est bon. Donc j'ai deux pots de chèvre. Ah yes, chèvre. Ok, 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 ok. Où êtes-vous les gars? On l'a perdu. Cherchez-le. Ouais, cassez-vous. Ou alors... Laissez-moi ce connard. Je vais le retrouver. Je joue pas avec toi, cocotte. Je te trouverai. Si je te trouve pas avant. Ah ouais. Tiens, t'as voulu te buter le dragon de Komodo? Parce qu'il est mort le dragon. Ouais, bouffe-le.
Ok. Ah, merci, merci. C'est trop gentil. Ah, par contre... il y en a encore. Pourquoi il est en bleu, lui? Parce qu'il s'est... Ça doit être peut-être parce qu'il s'est fait bouffer par un animal. Je sais pas. C'est quoi, on entend un hélico? J'ai pas rêvé. Un bateau, non, le bateau, bateau. On va se baisser quand même. Oh, il y a des tortues, je rêve. Vous avez vu ça? Non, mais qu'est-ce que je fais? C'est pas du tout ce que je préfère. Tortue. Tortue des Galapagos, on dirait. Celles qui vivent super, super longtemps. Ok. Bon, mais on va se quitter sur ces magnifiques espèces de tortues. Et on se retrouve pour très bientôt pour la suite de l'aventure. Et si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si vous souhaitez... Oula, attendez. Avant tout, voilà, c'est bien ce que je pensais. Allez, sors de là. Lâche ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est... D'accord. Ah, je l'ai... Il est pas mort en plus. Moi qui fouille de la chair. Il y en a là-bas. Bon. Ouais, donc voilà, hein, on se quitte là et on se retrouve dans... pas longtemps pour la suite de notre aventure. Et je disais oui, donc si ça vous avait apprécié... et que vous souhaitez suivre mes aventures, les aventures... si vous aimez le... Autant si vous aimez le jeu récent, autant si vous êtes amateur de rétro. Voilà, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Allez, ciao les amis, à très bientôt.